On va devoir choisir entre deux portes qui mènent à deux pièces complètement différentes. Une pièce de pur plaisir ou une pièce de pure souffrance. À nous de faire le bon choix. Oui, justement, tout de suite, tu préfères quoi? Allez, dans la pièce, là où il y a Seyar avec les gants jaunes. C'est clairement pas des gants pour faire à manger. 3, 2... Seyar. La personne va devoir gonfler 50 ballons. À côté, Seyar va te faire un grec. Oh, let's go! J'ai pas mangé, mec! Bienvenue! Ah, franchement, je suis de bonne humeur, c'est gratuit, genre. Ah, c'est vrai? Ouais, franchement, c'est gratuit. C'est très rare dans un grec. J'ai eu le pire truc, les gars. Attends, je suis pas très doué. Bon, par contre, dépêchez-vous, là, j'ai pas mon temps, là. T'es un connard, mec. Franchement, c'est pas gentil ce que tu fais. C'est pas gentil. Bon, après, monsieur, je vous ai pas demandé de me parler, on est pas dans un taxi ou dans un Uber, là. Juste, je veux mon grec et manger, en fait. Le grec, il a tout de suite doublé de prix. Mais c'était gratuit de base, donc. Gratuit, fois 2, ça fait 0. Bah ouais, donc ferme ta gueule et fais mes frites. C'est quoi ce grec? Monsieur, vos frites sont prêtes. Putain, et franchement, je suis dégoûté, gros. Il y a plus de passion dans les grecs, je crois, carrément. C'est en train de cramer. I need help! Tu peux tenir ça? Ça sent le Tiens pneu. Le truc. Comme ça, si je me dépêche, je vais pouvoir les grailler. Tiens-le ça! Ouais, mon ref, bah en fait, je pense que j'aurais dû choisir ta porte. Parce que je suis pas sûr de la qualité du grec là. Frérot, j'en peux plus. Bah, ah, t'as déjà gonflé tout ça? Il a l'air incroyable. Ah ouais. Eh, tu pourras m'en laisser un peu? Ouais, t'inquiète. Oh, merci, mec. T'inquiète. Non. Wesh, il a raccroché un peu violemment. J'ai pas l'impression qu'il va m'en laisser le cousin. Vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe du côté de Raph? Eh bah, franchement, ça va. C'est pas le pire grec que j'ai mangé de ma vie. Totalement le pire grec que j'ai mangé de ma vie. Je suis gentil, on va proposer un grec à Anto avec une petite frite. Ça s'appelle des french fries. Oh, ta gueule. Tiens, je suis gentil, je t'ai ramené un petit peu de grec. Avec le rouge comme ça. Bravo, c'est super gros. Vraiment, c'est super gros. Par contre, yeah. C'est vraiment pas ouf. En vrai, non, en vrai, oui. C'est super, mec. Eh, hey, incroyable. Super nul. Non, c'est bon, c'est fini, j'ai fini de gonfler mes ballons, donc c'est terminé la petite mascarade là. J'espère que t'es prêt pour la prochaine porte, mec. Hop. Attendez, faut que je vous parle de quelque chose. Est-ce que tu connais Ygral? Non, mais attends, je sais que t'as un rat, donc t'as pas besoin de partir, je sais que ça va t'intéresser. Hein, le petit rat là, t'es un rat. Laisse-moi t'expliquer. Ygral rembourse une partie des achats en ligne chez plus de 1700 marchands partenaires, dans tous les secteurs d'achat. Asos, Castorama, Cdiscount, Booking. En gros, si jamais t'achètes un produit sur un site en ligne, tu seras remboursé une partie. Et t'inquiète, le rat, c'est gratuit et c'est juste une extension que tu vas ajouter. Et en plus, si tu cliques sur le lien en description, tu auras 10€ au lieu de 3€ à l'inscription. Donc si t'es énormément dépensier, je te conseille d'installer Ygral parce que tu vas gagner de l'argent en dépensant de l'argent. C'est gratuit, ça peut te faire économiser de l'argent grâce au code de réduction et en plus ça, ça te fait gagner de l'argent avec le cashback. Et si t'es intéressé par tout ça, je te laisse cliquer sur le lien en description qui va te permettre de télécharger l'extension Chrome. On va rentrer les yeux fermés et on va devoir choisir notre porte là-bas en fermant les yeux. Viens, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Viens, avance. Ah! Je choisis elle, moi. Va devant ta porte, sans ouvrir les yeux et on ouvre les yeux en même temps. 1, 2, 3. Oh non! Moi, je crois que ça tient à boxer, mon ref. Oh non, j'ai capté direct dès que je suis arrivé, j'ai vu en toi. Oh non, frère! Mec, regarde ce qu'il y a là! Let's go! Attends, est-ce que j'ai soigné les bons trucs? Ouais. Est-ce que je peux me permettre de faire des petits bruits comme ça là? Putain, t'es souple, hein? On s'étire un petit peu. Tranquille. Voilà, on fait un petit peu la même chose de l'autre côté. Voilà. Et comment tu fais pour toucher tes pieds, gros? Ah, bah, je sais pas, mais là, je suis à deux doigts de péter, je suis à deux doigts de lâcher une caisse. Je peux partir à tout moment. Là, tu relâches tout. Viens chercher, là, tu plies. Plie ton dos. Ça va être compliqué. Tu touches derrière. J'ai eu des vraies douleurs. Et tu reviens. Quoi, c'est une vidéo, vous détends-toi, frère. Après, je te dis, je tape, moi. Ferme ta gueule.
vous y avez cru là. Mais gros, j'étais trop mal, gros, je voulais pas continuer là. Je vous ai vraiment laissé vous battre. Oh putain, quel chien. Bon bah les gars, c'est parti. Prochaine porte. Shifumi. Yes, tu choisis la porte. Ce sera ta décision et ton suicide. Quelle porte? Droite. Ah si. Oui, j'ai un booster de cartes Pokémon. Déjà, c'est amusé à les ouvrir. Attends. Et moi, j'ai quoi, wesh? Non, c'est quoi, c'est douille, wesh? Oui. Arrête, quoi, j'ai peur. Pourquoi il y a un garde du corps avec une... Ça va? Bah, ça va, mais du coup, on va te poser des petites questions. Ah, c'est ça, le truc, c'est la vérité. Bonne chance. En fait, moi, j'ai choisi le bon truc, je crois. Bon, lève la main droite. J'avais le flic et tout. Ok, je lève la main droite. Tu jures de dire la vérité, rien que la vérité? Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, mec. Ouais. J'ai envie de trucs no pression. Là, on va partir sur un petit booster. Ouverture de booster Pokémon. J'en ai jamais fait de ma vie. Est-ce que tu t'es déjà forcé à faire une OP? C'était cool, mais en vrai, je l'ai fait pour l'argent. Les petits BG, si vous voulez, le petit code, je sais pas trop, il sert à quoi. Ah, mais en fait, je suis con, regarde bien. Est-ce que t'as déjà fait un feat pour gratter du buzz? C'était il y a très très longtemps, c'était quand j'étais dans le fitness. C'est le bouton s'abonner. Oh, mais mec, je l'ai même pas vu comme ça. Putain. Tu sais lire le QR code? Attends. Est-ce que tu serais prêt à arrêter de parler à tes potes pour gagner 10 millions d'euros? Non. Je pense que j'arriverai plus à en tirer de l'argent avec eux. Je crois qu'il y a une carte qui sert à rien, il y a un autre code, les BG, si vous voulez. Bam! Je vais réussir à aller, tu vois. T'as capté ou pas? T'as capté. Turbo patience. Non, les potes directs. Ah, mais en fait, je crois savoir pourquoi ils ont pas les mêmes formes. Parce que je crois que dans épée bouclier, je crois que c'est les Pokémon de base, mais qui changent. Est-ce que t'as déjà eu une attirance envers quelqu'un du sexe opposé? Et donc, très bizarre cette question. Non, mais quand j'étais jeune, je me suis déjà posé la question de... Peut-être que je suis gay. Mais après, j'ai fait un an, en fait. Dans quel contexte? T'as pas une anecdote? Je me suis fait quitter par une meuf. Et après, je me suis dit, c'est pas possible, j'arrive pas avec les meufs, je suis gay ou quoi? Énergie haut. Après, je me suis dit, est-ce que j'aime les hommes? Après, je me suis dit, non, en fait, j'aime les femmes. Oh! What the fuck? Petite question basique entre ta meuf et tes potes. Tu sauverais qui? Non, je peux pas. Non, mais réfléchis pas. Mais là, t'hésites beaucoup trop. Toi, t'aurais choisi quoi, toi? Moi? La vérité. Tes potes. Parce que t'es célibataire, reculé. Archiduc. Mec, elle est ultra belle. Je vois Raph, il s'amuse bien avec ses cartes et tout là. Moi, je suis dans le déni. Salut, coucou. En vrai, non, je peux pas répondre, je sais pas. J'ai pas la réponse vraiment, je vous jure, j'ai pas la réponse. Vraiment, c'est sincère. Mais ça se trouve, elle est ultra rare. Oh. J'ai envie d'appeler Michou pour ça. Eh, c'est bon là, ouais, je suis gros, du coup, là. Moi, je m'écarte. Bref, c'est vrai, j'ai eu quoi? Elle est ultra rare. Ah non, elle est vraiment ultra rare. Toi c'est gauche, toi c'est droite, et okay. En fait on inverse. Donc je suis gauche. Et toi t'es droite. T'as Seyar. C'est quoi la porte ici? Bon, mais c'est la dame qui t'a posé des questions. Oui, c'est quoi la porte ici? Bah du coup là c'est épilation à la cire. Oh mec, je suis content. Oh bah oui. Oh non. Mesdames et messieurs, bienvenue ici chez Seyar. Vous allez tout de suite jouer un tout petit jeu pour tenter de gagner ce petit chien. Tu peux gagner pour moi? Ce que tu gagnes pour moi. Vas-y, mon bébé, gagne pour toi. Mais les mecs. Ah non, mais non, mais attends. Vous allez tout de suite tenter de. Chance. Allez. Attends, sa mère, il faut que j'arrive. Tends bien la jambe. Il faut que j'arrive quelque chose. 1, 2, 3, lancez, ça touche les couilles, ça porte bonheur, mesdames et messieurs. Voilà. Attends, wesh. Oh, il est vraiment bien, monsieur. Vraiment. Non, il faut que j'ai mal encore. Oh, ça se fait plaisir. Mais ok, c'est la dernière chance. La dernière chance. Oh. Et c'est gagné. Let's go. Tiens, mon bébé. Merci. Allez. Allez, arrive là maintenant. On va aller voir. Salut les bolos. Vraiment des yeux. Il va pas les mettre sur la table, ça me tire de la casse. Non mais wesh. Mais j'en ai 4 sur moi. C'est bien là. Mais toi, là, rien manger. Attends, mais c'est quoi ça? Vas-y. Quel enfer. Fais ça, si, fais ça. Non. Mais j'ai pas perdu moi, hein, non, que deux, j'ai pas perdu, wesh, arrêtez. Mais non, je vais pas la finir. S'il vous plaît, tirez, vas-y, c'est trop long là, la tente là.
frérot, s'il te plaît, je t'aime. Comment s'appelle ta mère déjà? Isabelle. Isabelle! Ah non, mais je sais pas ce qu'ils vont faire là, ils font n'importe quoi. Vas-y, je prends celle de gauche, c'est bon, gauche. Pourquoi? Ah, lui, je déteste lui, putain. Hello! Y'a rien. Qui a choisi cette pièce du coup? Moi. Tu vas avoir le plaisir de tirer sur Raph. Mais ta mère là aussi, frère. Non, mais non, mais. Non, mais gros. La Mind Games! Mais y'a du gaz dans ça, gros! Mais non, c'est du CBD. Combien de balles? 5. Quoi? Attends! Non, attends, stop! Attends, ouais. Stop! C'est chier, stop! Mec, je stresse trop. Mec, c'est bon, mec, vas-y, go, là! Mais l'idée, t'as son. En train de buer. Antoine! Oh putain de merde! Attends, je l'ai impact. Oh putain de merde, attends, bouge pas, bouge pas. Attends, dis-moi un truc, vite fait, un mot sur moi. Je t'admire pour ta créativité. Mais maintenant, t'as dit un truc gentil, là. Non, s'en fout, allez. Énerve-vous, mec! Des fois, j'aime pas tes chaussures. Oh le bâtard. Attends, c'est plus fort là. Eh mais gros, par contre, non, vous avez augmenté la puissance là. Mais je sais pas, je suis pas forain. Non, évite de me viser avec. Je suis forain. Mais qu'est-ce que ça fait, quoi? Tu préfères la fesse droite ou gauche, frérot? Droite. C'est terminé, mec, je suis désolé. Wow, mais... c'est moche, hein. Ah mais c'est pas des... Les gars, abonnez-vous à sa chaîne parce que bientôt il y a une vidéo. Et j'avoue, allez vous abonner, ça sort bientôt. Voilà. En plus il est là. Allez checker ça. Et abonnez-vous à Léo parce que frère, tais-moi tous les concepts. Putain, j'ai oublié, putain. Tais-moi tous les concepts. De toute façon, le bouton s'abonner, il est là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, gros bisous. Ciao. D'ailleurs, si t'es encore là, juste pour te dire, ce soir, les précommandes de mon t-shirt numéroté s'arrêtent. Tu vois, comme tu peux le voir, il n'y aura que 113 dans le monde. Donc si toi aussi tu veux ton t-shirt, je te laisse cliquer sur le lien en bio, locks-shop.com.